Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire du fun avec des pick-up. Mais avant toute chose, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller tout de suite au son, vous avez juste à aller dans la description en dessous, vous allez voir les différents chapitres, on se revoit tantôt. Mais pour les autres, je vais donner 2-3 explications sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, vous vous rendez compte avec le temps que j'essaie souvent du stock différent, j'aime échanger, j'aime acheter, essayer des nouveaux trucs. Et d'ailleurs, la meilleure guitare que j'ai trouvée pour jouer du trash jusqu'à présent dans ma vie, c'est celle-ci, c'est une Schecter Reaper avec le Sustainiac, avec Floyd Rose, je trippe. Elle est malade. Seule affaire, par exemple, le pick-up du Bridge, c'est un Schecter Diamond Decimator. Qui d'ailleurs est drôle parce que même si j'adore Schecter, ils ont tendance à donner des noms et des styles un peu douchés à tout ce qu'ils vendent, mais bon. Et les pick-up de base sur ce type de guitare-là, les guitares qui viennent de l'Asie d'habitude, quand c'est pas du Seymour Duncan ou du DiMarzio ou du EMG, normalement c'est pas un pick-up de si grande qualité que ça, puis je me dis, faudrait que j'essaie un Seymour Duncan là-dedans. Parce que même si j'ai juste à côté de moi ici un EMG 81, les pick-up actifs, c'est pas tant mon truc, je pense que c'est vraiment bénéfique si on va aller jouer dans le 7 ou dans le 8 cordes. Personnellement, sur une 6 cordes, j'aime pas ça. Et, fait drôle, quand j'avais 12 ans, ma deuxième guitare, ou ma première vraie guitare, on peut dire, ça a été une Schecter. Et c'est aussi là que j'ai acheté mon premier pick-up. Ben, j'ai acheté, je l'ai eu en cadeau, là. La première fois que j'ai eu un pick-up aftermarket, et c'était celui qu'on va essayer aujourd'hui. Un SH-13 Dimebucker de Seymour Duncan. Je suis un grand fan de Pantera, j'adore Dimebag Darrell. Et je veux revoir si ce pick-up-là, finalement... Est-ce que c'est nostalgique ou si vraiment il était si bon que ça? Donc, vous allez entendre la guitare avec ce pick-up-là en premier, le Diamond Decimator. Ensuite, avec le Seymour Duncan, dans un mix et comparer l'un à l'autre AB rapidement pour que vous puissiez suivre. On va tout faire ça dans mon Mesa Boogie Mark V 25 avec lequel je suis en amour. Et la manière avec laquelle le son est pris. Souvent, j'ai donné des indices de ça, mais aujourd'hui, vous allez me voir l'isoler le câble. C'est que le Mesa Boogie a une sortie directe avec un câble émulé derrière. Par contre, je trouve pas que ça sonne si bien que ça. Donc, j'ai préféré prendre le son raw, donc cru, qui sort de la tête si on veut. La tête passe dans une DI, une Direct Box, qui, elle, va diviser le signal en deux. Un s'en va dans le cabinet ici, parce qu'on a besoin de le laisser brancher, parce qu'il y a besoin d'une résistance physique pour que l'ampli produise le son qu'il fasse, puis non plus qu'il explose pas, en fait. Là. Et l'autre qui s'en va à ma console, à laquelle je vais rajouter des Impulse Response, qu'on appelle, qui est comme une espèce d'algorithme qui reproduit un cabinet de guitare avec un micro. Donc, ou appelé IR, la plupart du temps. Et ce que ça va faire, c'est que l'ampli va donner le son qu'il devrait donner au bon volume pour que les lampes soient assez chaudes. Il va avoir la résistance des vrais speakers pour lui donner une résistance physique. Mais ça va faire aussi qu'en enregistrant ce beau son-là, les speakers vont jouer au vrai volume qu'ils sont supposés jouer. Donc, si j'étais vraiment, vraiment moyen, ce que je ferais, c'est que je me ferais une boîte d'isolation. Donc, une espèce de boîte pour insonoriser le speaker ici. Je ferais pas ça. Par contre, j'ai un moyen vraiment pas cher que je vais vous montrer dans quelques secondes qui consiste à mettre beaucoup, beaucoup de couverture puis ben, espérer que tes voisins soient compréhensifs et aiment le rock ou le métal. À plus! We'll be right back.